Ben a dit que je dois plus faire la lessive, sinon je n'aurai plus de grosses ongles. Tu n'as pas l'impression de voir un visage là? Là. Un œil là. Non, une aubergine. Il est content. T'es content? Super content. Super content? Oui. Ouais, tu as raison, tu dois faire beaucoup de sport parce que là. J'espère que vous allez bien. Je vous prends, nous sommes le 29, je sais pas, lundi en tout cas, 29, je pense que nous sommes le 29 aujourd'hui. Et là il doit être 14h. Ce matin j'ai fait beaucoup de petites choses, j'avais la lessive à faire, du repassage, du montage à finaliser. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai déjà préparé aussi, j'ai fait la cuisine, j'ai mis du poisson au four qui est déjà prêt et là. Quand même, ce matin, nous a dit qu'il voulait aller au zoo. Donc là, on se prépare pour aller au zoo. Ah, quand on a des enfants. Donc là, les garçons sont déjà prêts. Il ne reste plus que moi. Cette boucle d'oreille tombe. Donc, on va l'éviter quand même. Prendre celle-ci que j'avais acheté chez Stradivarius, je les aime bien. Au début elle me faisait mal, j'entendais le bruit des garçons. Oh Seigneur, au début ces boucles d'oreilles me faisaient mal, mais maintenant ça va, tant que je les porte pas pendant trop longtemps en fait ça va. Sincèrement, quand on a des longs ongles, quand on rajoute des ongles, c'est compliqué. J'ai encore du mal à m'habituer avec ces ongles. Quelque chose de simple seulement. Ouais, je suis ready là. Je me suis un peu maquillée et puis je pense que là ça va. Ouais, ça va. On va pas en faire trop. Bon, écoutez, je vous reprends certainement soit en cours de route, soit au zoo. J'ai pas mis mon spray fixateur. J'utilise ce spray fixateur que j'avais pas chez Normaz. Pour l'instant, en tout cas, je l'ai utilisé une fois et je trouve qu'il a quand même bien fait tenir mon maquillage. Trop près. J'ai pu regarder trop près de mon visage. Bref, écoutez, je vous reprends tout à l'heure.
arrivé. Ruben est tout content. Caca collé Rino. Rino, c'est qui? C'est dans l'église Bailly. C'est Rino, c'est Rose qui détruit. Qui détruit tout sur son passage. Il s'appelle Rino. Oui. Il détruit tout. Donc c'est un vrai restaurant. Un vrai, bon, ça dépend. Hein. On va par là. Ah bon. Ils ont commencé avec un truc sur l'eau. Ruben, tu veux faire ça? Non. Non, mais c'est pareil intéressant sur l'eau. Tu veux faire ça? Ah bon. Toi aussi? Mais, oui, la dernière fois, vous étiez partis ensemble. C'était enroulé, on ne voyait même pas. Bah attends. Les renards. Ah, ils ont grandi? Quoi, ils étaient deux ou trois, non? Ah, ils sont là. Est-ce qu'il y en a pas? Ruben, ne touche pas, ne touche pas. Là où tu m'as battu, ma bouche. Faut qu'il creuse. C'est leur terrier. Aïe. Ouais, c'est leur terrier. Ils dorment. Ils ont trop joué, peut-être. Ah, ils ont grandi. C'était ouais, c'était des bébés. Tu ne touches pas. Attends. Oui, celui-là qui va le tuer sans problème. Même les deux en attendant. Même les trois. Il va les déchiqueter. Il griffe, il mord. Il griffe, il mord, après, ils sont déjà morts. Mais pourquoi ils ne nettoient pas leur truc, là? Ça. Ah, normalement. Ça se nettoie? C'est tout le matin. Avec un jet d'eau. Bon, hein. Parce que ça, c'est du rhume assuré. Normalement, c'est dépensé. Quand c'est dépensé, là, l'eau, c'est un peu ça. Il y a beaucoup de poussière, là. Là, c'est du rhume assuré, ça. On pourrait mettre la nuit enrhumée. Oui, mais donc, tu ne devrais pas faire ça. On fait juste la visite. D'accord. Ce que tu vas faire, c'est... Il n'y en a pas. Il y a quoi? Il y avait tout le temps des bulles en plastique. Tu rentres et puis tu... Tu marches dedans, quoi. Et tu avances. Est-ce que vous pourrez arrêter de s'apporter de l'autruche? J'ai pensé que me picore. Oui, mon bébé. Le baby foot. Il veut jouer au baby foot. On avance? Tu peux manger et avancer. On va où maintenant? Oh, on a joué au baby foot et on m'a battu. Les garçons m'ont battu. C'est pas grave. Ils ont battu. 2-0. 2-0. À deux matchs à 0. Ouais. Là, on va où? Ce qui est intéressant, c'est surtout le baby foot, toutes les grandes personnes aussi peuvent jouer. Balançoire. Non. Ça paraît pas sécurisé. Non. Exactement. J'ai transpiré. Ouais. C'était à prévoir. Bon. Ben est tout content. On est vraiment content avec sa barbe à papa. Barbe à papa, c'est le dessin animé qui passe à la télé, non? Voilà pourquoi ils peuvent prendre la forme qu'ils veulent. Je comprends mieux le fil. Thank you.
Ils ont eu des nouveaux perroquets. Mais comment ils peuvent chercher les perroquets? Ils ont eu des nouveaux perroquets, on dirait. Ouais. Bah, là, on a fini. Oui, c'est vraiment ça. Regarde, regardez Ruben. Ruben s'est bien amusé. Il est content. T'es content? Super content. Super content? Oui. Oui, tu as raison. Tu dois faire beaucoup de sport parce que là, heureusement que c'est pas de la graisse que tu as. Ce sont des muscles seulement. Oui, tu as beaucoup de muscles. T'es musclé, toi, ouais. Attends, mais essayez de se... Non, merci, c'est gentil. C'est gentil. Attends. Non, c'est pas que je j'aime pas. Tu es plein de poussière. C'est juste à cause de ça. Quand tu vas prendre ta douche à la maison, tu pourras essayer de me porter, d'accord? Ok. T'as beaucoup transpiré, toi. Non, mais c'est pas grave. Ne dis pas désolé. Quand on joue, on se salit. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Tu n'as pas à t'inquiéter. On savait que tu allais te salir. De toutes les manières, la machine à laver fonctionne pour ça. Maintenant, c'est plus maman qui va frotter les vêtements. Exactement. Et mes ongles seront sales. Donc, toi, tu n'aimes pas quand mes ongles sont sales. Donc avant, mes ongles étaient sales. Vous avez entendu? Non, c'est bien. Vous avez entendu? Non, c'est dans là-bas. À l'angle. Ruben a dit que je dois plus faire la lessive, sinon je n'aurai plus de beaux ongles. Est-ce que c'est bien ce que j'ai dit? Bon, oui, c'est bien. Merci, au revoir. Au revoir. C'est bien amusé. En plus, lui me faisait sauter sur le trampoline. Le tonton te faisait sauter sur les trampolines? Oui, et en plus, j'arrivais à peine à m'accrocher. Tu as dit merci? Tu as dit merci, tonton? Merci, tonton. Au revoir. On peut passer par là? On fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On se balade encore. On va de l'autre côté au fond là-bas. J'arrivais même pas à m'accrocher. Il te faisait bondir et tu n'arrivais pas à t'accrocher. Oui, même pas. Je ne veux plus voir de tuyaux vivants de toute ma vie. Ah, c'est pas bon les tuyaux vivants. Certains morts. Tous les tuyaux vivants mordent. Aïe, aïe, aïe. Ben oui. Non, pas tous. Comment ça, pas tous? Le bois, il avale. Mais il avale. Lui, il est... Il gobe. Il étouffe. Il étouffe, mais c'est la même chose. Ils font tous du mal, quoi. Donc là, c'est parti pour aller voir les coins qu'on n'a pas... Une dernière tournée. On fait ça? Ouais. Du côté des singes. Oh, il y a même un crocodile. Un faux crocodile. Oui. Si on pouvait refaire la peinture, le mettre un peu de verre. Voilà. Où il est? Ben, il est là. Tu le vois? Le crocodile, c'est un alligator. Mais le crocodile, il fait partie de la famille des alligators. Non. Non, c'est pas l'alligator qui fait partie des singes. C'est l'alligator qui fait partie. Tu fais partie de la famille des crocodiles. C'est la même chose. Bon, let's go à la visite de. Je suis grave parfois sur les arbres, je vois des visages de gens. Tu n'as pas l'impression de voir un visage là? Là, un œil là. Tu vois, bah. Comme ça, là. Je sais pas, moi, des arbres comme ça me... Non. Tu vas faire du toboggan. Tu as vu du toboggan où? Là-bas. C'est ça que tu veux faire? Vas-y. Bah, où est-ce qu'il est, le cochon d'Inde? Le cochon d'Inde, le petit... Le cochon d'Inde, il est tout petit, là, le marron, là. La petite boule de poil, là. Hé, le lapin. Et c'est le... Quoi? Le dessin animé, c'est quoi? Un cerf et puis qui? Un cerf et... Non, une aubergine. Hé, hey, coucou le macaca. Coucou. Oh, T'es gentil, c'est bon. Donne-moi. Tu me donnes. Il est pas intelligent.
Ils sont. Ah, ça, ils vont se battre. Oula. Oula. Ou un combat. Ils vont pas se battre. C'est lui qui s'appelle un adulte. Il est juste venu le chasser. Pourquoi? Ça sent pas bon ici. Combat duel. Oui. Viens pas voir Barbe Blanche. C'est un duel. L'odeur n'est pas. C'est un duel. Oui, c'est un duel, d'accord, un duel. Un duel, c'est un combat. Ça sent pas bon. Oh, ça sent plus le caca du chien. Non, ça sent même pas le caca du chien. Oh. Ah, mais toi, tu es un vieux, toi. Duel. Et ils s'en séparent. Ruben, ne touche pas. Go. On leur donne des aubergines. Noix, bananes. On leur a donné de la banane ici, ils n'ont même pas mangé. Bonhomme. Passe devant, Ruben. Bon. On a fait le tour. Le sens là, il n'est pas intelligent du tout. Toi, t'es un vieux. T'es vieux, toi. Oh! Ah, attendez, je vais vous montrer des espèces de couronnes. Attendez. Regardez ces espèces de couronnes, attendez. Ah, attendez, il faut que je me mette là, comme ça. Ouais, ça fait une espèce de couronne. Bon, il est 17h passé, les garçons doivent rentrer parce que là. Ils ont vraiment agrandi le parc. Malheureusement, ils n'ont pas ajouté des animaux, mais ils ont vraiment agrandi. C'est vraiment plus grand. Et même de l'autre côté là-bas. Vous voyez, ils ont vraiment agrandi. C'est juste qu'ils n'ont pas rajouté des animaux. Et il n'y a pas trop de jeux. Quoi. C'est difficile, ça c'est pas de ton âge. Ben, de ton âge, c'est. C'est bon, on peut y aller. Abracapicole. C'est quoi cette chanson? Abracapicole. Je vais aller monter sur un jeu. Moi qui dis que c'est payant. Son père qui dit que c'est pas payant. Et donc moi qui m'enfouis. Parce que je me dis que c'est payant. Mais apparemment c'est pas payant. Bref, parce que ici en fait, quand on arrive, on paye à l'entrée 500 francs CFA par personne. C'est moins d'un euro. Et ensuite, pour faire certains jeux, il y a des jeux qui sont gratuits. Mais pour faire d'autres jeux, il faut payer. Et ça dépend. Il y a des jeux qui coûtent 500 francs CFA, donc moins d'un euro. Il y en a d'autres qui coûtent 1,50€ environ. Et après, il y a quelques animaux qui sont ouverts. Les animaux, c'est gratuit. Quoi. Il n'y a pas beaucoup d'animaux, mais bon. Mais sinon, c'est surtout pour les jeux que les enfants viennent par ici. Comment veux-tu un peu tordu la jambe? Tu t'es tordu la jambe? Voilà pourquoi je te disais de ne pas faire ce jeu. Il y avait un trou là-bas. Ah, quand il est tombé, il est rentré. Non, pas là. En marchant. Donc, oh, pardon. Donc là, on rentre. Je te fais un bisou magique. Ça va mieux? Je fais des extensions comme ça. C'est bon? Ah, celui-là, sa gueule est bien ouverte. Il attend sa proie. Tu as vu? Il est là. Il ne bouge même pas. C'est un vrai crocodile. C'est un vrai. Mais pourquoi sa gueule est ouverte comme ça? Mais c'est comme ça qu'il se repose. Il se repose la gueule ouverte. Le crocodile ne se repose pas. La gueule fermée. Non. Ouais. Bon, nous sommes rentrés. Il doit être 18h passé. Presque 19h, je pense. Vous me voyez. Je suis à contre-jour. Oups, j'ai mal. Je vais prendre ma douche.
Désolée pour le contre-jour. Oui, écoutez, je vais prendre ma douche et puis je vous retrouve tout à l'heure. Bon, là je fais ma routine du soir avant d'aller manger parce que je sais qu'après avoir mangé, je serai fatiguée. Je me mets devant l'ordi. Je pense qu'on va suivre les Jeux Olympiques. Si on pouvait faire passer la gym, j'aime bien la gym. J'aime bien quand ce sont des épreuves de gymnastique ou le 100 mètres. Ou encore le 200 mètres ou le lancer de poids, là, ça nous intéresse, ou la natation, oui, la natation aussi c'est intéressant. Donc j'ai mis mon contour des yeux garnier et la Jordan, je vais mettre, hier j'ai mis le AHA peeling 6,5% AHA peeling de Pure Care, ça c'est une fois par semaine. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais aller sur ça, Evie, de la marque Evie Aya Face Serum, ça c'est l'acide glycolique. Pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est ce qui est intéressant en fait. Et ces derniers temps le soir, je rajoute la crème de Elisa Jones à base de rétinol. Alors ça fait pas longtemps que j'ai commencé à la mettre, donc je peux pas dire si j'ai vu un changement ou pas. En tout cas, je l'applique depuis quelques jours déjà. Et voilà pour mes soins. Un peu de baume à lèvres. I'm ready pour aller manger et comme je vous l'ai dit, on mange, on se met devant la télé. Moi, je sors avec mon ordi en train de recommencer du montage. Et puis voilà, on va passer notre soirée comme ça. J'espère que vous avez passé un bon moment. Nous, on sait. Ruben, surtout, s'est vraiment amusé au zoo. Il a vraiment aimé. Et nous, on est fatigués. C'est ça, être parent. Bref, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo. Et puis, à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, portez-vous bien.